cette expo, c'est la troisième édition en fait, parce qu'on en a fait d'autres, et celle-ci, elle est basée, le thème c'est l'imaginaire, mais on a travaillé aussi sur les individualités, sur le rapport au corps, qui est très important dans la pensée, dans la religion et la pensée musulmane. On ne travaille pas sur la religion, mais plutôt sur la spiritualité. Pour cet événement, on essaye de toucher à toutes les disciplines artistiques, c'est-à-dire qu'il y a du art net, de l'art urbain, de la peinture. Et je pense que oui, c'est un plus, mais ça s'est déjà fait, je pense, en Algérie, qu'on n'est pas les premiers. Mais je pense que c'est bien et que s'il peut y avoir de plus en plus d'initiatives comme ça, c'est intéressant. Ça vient des autres continents, de l'Amérique, de l'Europe, même de l'Asie. Donc ça nous a vraiment donné la chance de partager ce qu'on fait. Donc je trouve que c'est quelque chose de bien, ouais. qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir, mais c'est bien. Surtout quand il s'agit entre artistes, même ils ne peuvent pas se contacter avec la langue, mais avec l'art, c'est faisable. I'm trying to break all the frontiers. It's all about this, my work. It's all about freedom all the time, how to express, how to free myself, how to free other people. And it's been lately many things that bring me, I don't know how, I don't know why, myself close to the Arabic countries. But you speak Arabic also, no? So when I got the proposal to work, to do this exhibition, what I was thinking is to make a series of drawings, and what I want to put them all together in a line, and what I was thinking is to make like an horizon, like a landscape of human beings. Okay. حاجة مليحة تسمى هذا الشخص الرسام اللي رسم هذا الرسمة شغل يعبر كما قلت لكم قبيلات يعبر عن تاريخ وحضارات الإنسان يعني عقليته كيفاش يخمم شخصيته ومبادئه وكرامته هذه هي وحاجة مليحة وديسيني حاجة طبيعية يعني مليحة ماشي حاجة يعني ربي يكمل له وش هو يدير حاجة مليحة شابة شغل الرسم يعبر عن شخصية الإنسان وتعبيره ويعني تاريخ وكما نقولوا تاريخ وثقافة الإنسان صديق لا كولتور ديتر هيومان